Arcel et le potager magique. Savez-vous qu'il existe un potager merveilleux? Il y pousse les plus beaux légumes de la région. Ils sont surveillés par un épouvantail sorcier qui a de drôles de pouvoirs. Ça va, poireau! Et d'un seul regard, un mulot devient un poireau. Ça barre artichaut et l'imprudent corbeau devient un artichaut. Un soir, Arsène, un lapin du coin, aperçoit dans ce potager une énorme carotte. Il n'a jamais vu une carotte comme celle-ci. Alors, silencieusement, il contourne l'épouvantail, arrache la carotte et détale vers son terrier. Que cette carotte est géante! Jamais il ne pourra la manger tout entière. Une fois dans son terrier, il prend une hache et la découpe en rondelles pour la découper en rondelles. Pitié, ne me mange pas! Hurle la carotte terrorisée. Ah bon, et pourquoi donc? Je ne te mangerai pas, demande Arsène. Parce que je ne suis pas une carotte. Je suis une princesse lapine. C'est l'épouvantail qui m'a transformée en carotte. Si tu m'aides, je deviendrai une princesse lapine, lui raconte-t-elle. Arsène est très tenté. Il s'imagine déjà en prince lapin, au bras d'une belle princesse lapine. Mais que dois-je faire pour ça? Lui demande Arsène. Embrasse-moi 51 fois. Alors Arsène commence à compter ses baisers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30. 51! Horreur! La carotte géante s'est transformée en renard. Ah 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 ah! À mon tour de te dévorer, dit-il en se léchant les babines. Arsène bondit, il saute, il court. Il sort de son terrier. Au secours! À moi! Crie-t-il. Le renard à ses trousses. Mais il crie si fort qu'il réveilla l'épouvantail sorcier. Sabat carotte! Crie celui-ci en le foudroyant du regard. Voilà Arsène, transformé en carotte géante. Les jours passant, et Arsène regrette bien sa vie de lapin. Il ne craint plus les renards, certes, mais il s'ennuie beaucoup. Mais un jour, l'épouvantail sorcier aperçoit une belle lapine très gourmande emporter la carotte. Arsène. Quel culot, se dit-il. Encore un lapin pour me voler mes légumes. Alors, en éclatant de rire, d'un grand sabat carotte, il rend à Arsène son apparence de lapin. D'où viens-tu, toi? Lui demande la lapine, toute surprise. Je m'appelle Arsène et c'est une histoire un peu compliquée. Mais moi, c'est Agathe. Puis, en faisant un signe d'adieu à l'épouvantail, ils s'en vont, se prenant la main par la main sur les chemins du matin.